J'aime bien me révolter. Alors vraiment, là, je suis toute grise. Qu'est-ce qui peut bien mettre Geneviève de Fontenay en colère? Pour une fois, ce n'est pas une miss à la moralité douteuse. C'est un portail installé depuis peu dans sa résidence de Saint-Cloud et qui barre l'accès à son immeuble. Le bailleur a promis d'installer un digicode pour les visiteurs, mais pour la reine des miss, le problème demeure. Elle ne peut plus venir charger en voiture les dizaines de robes et d'accessoires de ses shows. Vous comprenez bien qu'avec toutes ces robes qui sont d'ailleurs très lourdes, la plupart, on les met dans des malles et dans des housses, et évidemment dans une voiture qui soit assez grande pour contenir tout ça. Vous pouvez constater, Pascal, que depuis qu'ils ont installé cette grille, eh bien vous, tout à l'heure quand vous êtes venu, si vous aviez voulu rentrer par là, il a fallu que je descende pour venir vous ouvrir cette porte. C'est impossible maintenant de faire monter une voiture, et même les taxis, les taxis ne peuvent plus monter. C'est pas sur mon dos que je vais porter les robes ou la malle. Là, ce serait vraiment le con, je m'écroulerais avant d'arriver en bas de la côte. On a l'impression vraiment d'être emprisonné, voilà. On ne dispose plus de cet accès qui a été fait. C'est vraiment un énorme préjudice que nous subissons. Non seulement moi, mais les autres locataires. C'est une décision qui est arbitraire, qui ne repose sur rien, et à laquelle je compte donner une suite judiciaire si on a besoin, mais je voudrais bien l'éviter. Et j'espère quand même que Next City sera compréhensive et que tout s'arrangera dans la meilleure des solutions. Voilà.